Mesdames et messieurs, chers amis de notre grande famille de la résistance iranienne, bonne année et meilleurs vœux à tous. Avant tout, je voudrais vous remercier pour les vœux que vous avez envoyés. Encore une fois, c'est une occasion de se réunir pour préparer avec détermination la nouvelle année. 2013 a été marqué par beaucoup d'événements, car nous nous rappelons du massacre d'Ashraf et des 4 attaques à la roquette sur Liberty, mais avec leur sacrifice et leur persévérance, les Moudjahidines ont fait d'Ashraf une épopée de l'histoire moderne de l'Iran. C'est non seulement un exemple pour l'histoire de l'Iran, mais aussi pour le peuple de la région, en Irak, en Syrie et ailleurs. Maintenant, les Ashrafiens ont planté ce drapeau au camp Liberty. Après le massacre d'Ashraf, l'ennemi a cherché à dissimuler le rôle joué par le gouvernement irakien et malheureusement, il a trouvé de l'aide auprès des États-Unis et de l'ONU dans ce domaine. Cependant, grâce à la grève de la faim sans précédent de 108 jours des habitants de Liberty et de leurs sympathisants à travers le monde, et grâce à la décision de la justice espagnole qui a ouvert une enquête sur le conseiller à la sécurité nationale et numéro 2 du gouvernement irakien pour sa responsabilité directe dans les massacres, personne n'a accepté les scénarios montés par les mollahs. Et les grands experts des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International, des juristes éminents, des responsables politiques et des parlementaires, tous ont souligné la responsabilité du pouvoir irakien qui agit à la demande du régime iranien. En fait, nous sommes le plus fort mouvement du monde, car nous sommes accompagnés par des hommes et des femmes libres comme vous qui avez choisi librement de défendre les membres de la résistance iranienne qui les considéraient comme les membres de votre famille. Vous êtes les symboles du pouvoir de la résistance. Et nous n'avons pas le soutien d'une superpuissance, mais nous sommes plus forts car notre force est fondée sur les relations humaines qui ont transformé une force morale en force politique. C'est pourquoi nous devons pousser les gouvernements à être fermes avec les mollahs. Il faut dénoncer la politique de complaisance et les reculs devant ce régime, surtout vis-à-vis de programmes nucléaires et aussi vis-à-vis des gouvernements irakiens et d'autres ennemis de la résistance iranienne. À propos de Liberty, on doit tout faire pour obtenir les demandes suivantes. Premièrement, la libération des otages. Deux, le transfert provisoire des habitants aux États-Unis, qui est le principal responsable de la protection. Trois, donner à Liberty les moyens de se protéger, avec le retour des murs de protection en béton, l'installation d'abris en béton, le transfert d'Ashraf à Liberty
des casques et de gilets protection et des équipements médicaux. Poser des doubles toitures. Pouvoir construire des bâtiments et augmenter la surface de Liberty. 4. Poster 24 heures sur 24 des observateurs de l'ONU et une équipe de casques bleus à l'intérieur de Liberty. Et 5. Une enquête de l'ONU sur le massacre d'Ashraf. Et 6. La vente des biens des Ashrafiens par leur représentant légal pour payer la réinstallation. Oui, il faut créer un cercle protecteur autour de Liberty. Et il faut révéler aux médias internationaux le vrai visage des mollahs qui veulent se cacher derrière des sourires pour continuer les exécutions et la torture. Une fois de plus, je vous souhaite une bonne année et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous êtes. Merci beaucoup et bonne année et meilleurs vœux. Thank you.